Bon, eh bien, comme on peut le voir, ça a avancé. J'ai fini la toiture avec du Dark Oak. Donc le Dark Oak, c'était bien l'arbre que je soupçonnais qu'il fallait 4 pouces et que j'en avais qu'une. Donc il fallait faire un petit peu plus de recherche, mais j'en ai trouvé. J'ai pu en faire un tout petit peu, juste de quoi faire. Et on a une taverne plutôt jolie. Par contre, à l'intérieur, j'ai cédé, je me suis givé un petit peu les sièges de Custom NPC. Puisque c'était quand même plutôt stylé, beaucoup plus que ceci. Qui, pour cette terrasse, conviennent pas trop mal. Par contre, pour bon voilà, pour les sièges de la taverne en elle-même, c'était très moche. Et ça, c'est beaucoup plus sympa, et on peut s'asseoir dessus pareil. Donc, c'est pas perdu. Ça aussi, ça faisait partie de Custom NPC, je suis pas sûr que je l'ai laissé, c'est pas extraordinaire, il y a sûrement mieux. Et il nous restera donc ici à construire une espèce de petite cage pour la mascotte qu'on va ramener avec donc le name tag que j'ai réussi à récupérer. Alors, la pêche c'est relativement long et chiant, ce que j'aurais aimé voir, et d'ailleurs j'ai oublié de regarder avant, c'est est-ce que Progressive a un fisher. Ça m'étonnerait. Est-ce qu'il n'y aura pas un truc fish? Non, que des poissons. Chinette. Faudrait que je teste ça. C'est un bloc qui rend la pêche beaucoup plus facile. Donc c'est en place au-dessus de l'eau. Oh, ah ben c'est pas mal ça. J'aurais peut-être dû regarder ça avant. Mais ça marche peut-être que sur les poissons. Donc bon, faudra que j'y pense. Je vais le noter tout de suite. Donc, pour aujourd'hui, déjà on va faire une petite enclume pour renommer le name tag. Sinon ça sert à rien. Hop, d'accord. Tant qu'à faire, on va la laisser à la forge. Au niveau du nom, j'ai pas spécialement d'idée, donc on va appeler ça mascotte. De toute façon, c'est mieux. De toute façon, j'ai prévu de mettre la mascotte dans une cage, et je crois qu'à travers le verre, les noms n'apparaissent pas. Mais ça, c'est à confirmer. Hop, nickel. Donc on a ce qu'il faut. Je vais juste peut-être construire la cage avant de partir. Donc, ce sera juste du verre et un petit peu de barre de fer. Peut-être des dalles au-dessus, puisque j'ai fait le tour relativement haut. Mais ça ne devrait pas être trop compliqué. Ah merde. Le verre se combine aux barres de fer. En fait, je voulais mettre une cage avec une barre de pole dance. Et du coup, ça va pas trop marcher. À moins de faire la cage plus grande. Voilà. Je pense avoir trouvé une petite solution. À voir ce que ça donnera une fois qu'on l'aura. Du coup, on va se préparer pour l'expédition, bouffer, régénérer, remplir le jetpack, tout ça, tout ça, et on va retourner donc au village qu'on a découvert la dernière fois. Ok, allez, normalement, on a de quoi faire, je crois avoir rien oublié. Allez, en avant, c'est quand même à plus d'un kilomètre, hein. Pas mal. On a bien exploré l'autre fois. Toujours autant de dryades dans le coin. Ah, et maintenant que j'ai de quoi pêcher les name tags, il faudra que je pense aux nains, pour la forge. Toi qui bosse un petit peu. Je crois qu'on y arrive, ouais. Il y a quand même une vue sympa dans le coin. Alors normalement, ils ne sont pas morts, les villageois, puisque j'ai tout éclairé. C'est vachement chiant. Mais normalement, ils sont tous là. Ouais, ils ont l'air. Bon, bah. Plus qu'à trouver une sirène, je sais pas si ça spawn de nuit ou de jour. Mais les fois où j'en avais vu, c'était de jour, donc je pense qu'on devrait pouvoir en trouver. Si j'avais été moins con, j'aurais fait un bateau. On va pouvoir y aller bien plus facilement. Allez-y, on va essayer de pas le casser sur les pontons, même si je crois que c'est plus le cas. Bah, pas prendre de risques. Ok. Où est mon bateau? Toi qui m'as piqué? Il est sous l'eau? D'accord. Bon, cette fois-ci on se fait pas avoir. Voilà, je sais pas ce qu'il y a eu, il est sûrement glitché à travers un bloc, mais on s'en fout. Moi, je cherche une sirène. Après la rivière, c'est peut-être pas le biome idéal, on va savoir. Vachement sympa le décor. Je sais pas si ça va nous permettre de découvrir jusqu'où ça mène. Mais je doute que ça revienne jusqu'à chez nous. Un bout de maison. Pourquoi pas. Et on arrive au bout de la rivière. Super. Même du biome? Ouais. Apparemment, on arrive à un désert. Ce qui n'est pas tellement l'idéal. Oh. Ça, j'en ai creusé
Quand il y avait des sirènes là. C'est une espèce de fourmi, ça, non? Bon, ça, c'est pas trop trop dangereux. Par contre, ça, ce n'est pas une rivière. Ouais. Alors, est-ce que ça nous mène quelque part? Non. Mais il y a des points rouges. Ici, rien. Non. Ça, c'est les chasseresses ou je sais plus quoi qu'on a croisé il y a quelques épisodes. Tout ça, la rivière reprend pas. J'ai quelques petits doutes, mais ça pourrait. Là-bas, rien du tout. Allez, un petit coup de bol, ce serait sympa. Comme le coup du villageois Mending. C'était plutôt cool, même si j'en ai pas l'utilisation immédiate, mais c'était cool. J'aimerais bien un coup de bol similaire. Bon, dans le doute, on va aller voir par en bas, même si on se rapproche des biomes du début où on n'avait rien. Wow! C'est joli ça! Par contre, aller l'explorer sans la vie à fond, je suis moyen chaud. Voilà, ça devrait mieux se passer. J'espère. C'est quoi ça? Oh, de la viande. Bon, bah. Ça fera un repas de plus. Alors, par où qu'on rentre? Pas par ici, apparemment. Oh, y a pas d'entrée, en fait. Super. Plan de page, merci. Voilà. Je vais réactiver mon jetpack au cas où ce soit un piège. Non, ça va. Alors, qu'est-ce qui aurait d'intéressant? Oups. Crève. Voilà, c'est toi qui crève. On va aller éclairer tout ce bordel. Voilà, c'était une mauvaise surprise. Et lui, il était pas hostile. Mais bon. T'es un squelette, tu meurs. Voilà. Bah ça a l'air d'être à peu près tout. Oh! Non, ça je m'en fous. Ok, ça on s'en fiche. Non, ça je m'en fous. Les pommes, c'est cool parce que les armes ne m'en donnent pas forcément. La selle, je crois pas que j'en avais. Ou alors très peu. Ouais, pourquoi pas. Ouais, bon. C'est pas extraordinaire. Pas de passage secret. Pas de passage secret. Bon bah si c'était tout, c'était un peu une perte de temps. Et par là sinon? Ok. Ça pourrait servir. Mais sinon c'était inutile. Super. Alors je serais bien tenté de retourner à la rivière qui était là-bas. Voir si de nuit ça spawn pas plus. Puis au pire, on partira dans l'autre direction. Zou. C'était là-bas. Non. Pas du tout. Là. Je suis en train de tout bouffer mon jetpack. Alors que j'avais dit non. Allez, zou. Alors. Y'a rien ici. On va pouvoir prendre le bateau et se tirer. Merde. Ah, c'est vrai que ça marche sur le terre maintenant. Nous sommes partis. Après, faut voir si les mobs classiques zombies et tout ça, ça va pas réduire les spawns. Ça m'arrangerait pas, c'est quoi ça? Je devrais pas y aller, mais ça m'intéresse. What? Ok, c'est rien, pas. Si, ça doit être utile, mais pour le moment, je sais pas quoi. Bon, allez. Cette sirène, c'est pas trop demandé.
Comme pour tout, hein. Quand t'en veux pas, il n'y a que ça. Par contre, quand t'en cherches, t'es peu de procès. Ça, c'est des fleurs. Coupe du colorant bleu, ça pourrait être pas mal. Hein. Ah non, c'est les mystiques. Ça ne sert à rien. C'est pour Botania, je crois, mais je m'en fous de Botania. Pour le moment, en tout cas, on sait jamais, hein, mais... Pour le moment, je m'en fous. Du coup, ça... Hop là, non, 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 non. Si ça nage, je me tire. C'est peut-être pas dans les biomes rivières aussi que ça spawn. Hein. On va savoir, c'est peut-être dans les marais, un truc comme ça. En tout cas, c'était pas dans l'océan que j'en ai croisé. C'est quand tu veux. Un centaure, c'est pas ce que je veux. Mais s'il y a un petit peu de variété, on peut espérer. Et ben non. C'est la fin de la rivière. Et il n'y a toujours rien. Que pouvons-nous faire? Pour ça, j'ai bien l'impression que c'est du Dark Oak. Ah non, c'est du Spruce. J'allais dire c'est trop tard, mais... C'est du Spruce, donc ça, on en a depuis le début. Un biome d'eau. Ouais, cool. Ben on va repartir, alors nord ou est L'est, ça me tente plus. Allez, zo. Ok, en fait, on fait le tour. C'est sympa. Mais la montagne est stylée, donc pas trop se plaindre. Structure. C'est intéressant, ça. Bon, ça a pas l'air oufissime, hein, comme structure. Ouais. Ok. Juste une table de craft, merci. C'est... Ah, est-ce qu'on déboucherait pas sur un océan? A priori, non. Ah si. Ah, est-ce que ça spawnerait plus par là? J'ai quelques petits doutes. Je crois bien qu'on va rentrer de recouille. Ah, c'est une chasseresse, ça. Ouais, ben je crois qu'on va rentrer. Hein. C'est dommage. Ah, les pastèques, j'en ai pas, par contre. Donc bon, histoire de pas être venu complètement pour rien. Voilà. Un petit stock, on pourra faire repousser. Et ça fera de la variété de bouffe. Nézou. Sur le niveau variété de bouffe, j'ai déjà débloqué pas mal de nouvelles recettes avec le riz qu'on a ramené du village. Donc, on n'est pas si mal à ce niveau-là. Est-ce qu'on serait pas revenu en zone connue? Non, pas encore. Je serais bien tenté de les voir parlant. Dernier soubresaut d'espoir. What? Pourquoi y'a un champignon? C'est quoi comme biome ça? Ah oui, Roof Forest. Et ça, c'est du Dark Oak, donc du coup, inutile puisque j'en ai déjà trouvé de quoi en faire pousser. Bon, bah. On va rentrer. Y'a des cabanes par là. Bon, je me doute qu'on trouvera pas de sirène dans un village, mais. C'est jamais. On ne sait jamais. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Village abandonné, super. Non, évidemment. Bon, bah tant pis. Oh. Oh, 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 oh. Est-ce qu'on ramène un cheval? Est-ce que j'ai une selle sur moi? Il bouffe du pain ou des pommes dans Minecraft? Allez, fais pas chier. Ah bah voilà. C'était plutôt simple. J'ai plus d'armure sur moi, mais c'est pas grave. Ah oui, ok. Eh bah c'est qui se traîne, dis donc. Non, non, c'est bon, tu peux te barrer. Je sens que c'est une très 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 mauvaise idée. On va se retrouver pris en embuscade. Pour un cheval.
Bon, allez, je me tire. J'ai l'impression que tous les villageois se sont fait bouffer. Il n'y a plus personne. Mais alors vraiment plus personne. Génial. J'aurais pas pu venir plus tôt seul. Évidemment, c'est ce que je cherchais. Bah oui, je serais pas le chien. Hop. Et je t'ai capturé. Plus qu'à rentrer, le problème c'est que c'est loin. C'est là-bas, c'est celui-là. Donc ouais, une borne 3. Avec l'autre greluche sur le dos. Ça va être super. On se retrouve quand on y est, hein. Ça va être chiant. Surtout avec ce bruit. La maison, enfin. Plus je crois qu'elle tire des flèches empoisonnées, un truc comme ça. Je suis pas sûr que ce soit dans le jeu, ça. Hein. Un résou. On essaie de pas la buter. En respondant des obstacles. Et normalement, si tout se passe bien, on essaie de pas la tuer en entrant. C'est là-bas. Ah, j'ai pu manger de Pâques. Il est vide. Bon, normalement, ça devrait passer. J'y vais par le... Bah alors. Merde, non, non. Ouf, on va pas l'habiter. Peut-être à cause de ça. Non. Ah, évidemment. Oh, je vais t'emmerder. Est-ce que, à tout hasard, je peux... Non, mais non, évidemment. Pourquoi ? Je veux juste que j'enlève ça pour ouvrir la barrière et la bazarder là-dedans. Ou alors, je fais un escalier. Ouais, devant la cage. Ce sera mieux. Mais je risque de la buter. Oh putain, c'est chiant. Bon, on va essayer de pas se tuer. Hein ? Pas se faire tuer. Oh la vache ! Mais c'est qu'elle est super vénère en plus. Bon. En plus, pour une raison obscure, mon lit n'a pas fonctionné. Bah oui, c'est pas drôle sinon. Non mais arrête d'essayer de m'égorger, tu vois bien que ça marche pas. Bon. Petite solution. J'ai pété un verre pour pas passer à travers le toit. Et on va essayer de larguer la sirène sans se faire tuer. Mais j'ai peu d'espoir. Hein. Allez. Ah c'est bon. Ça passera pour le moment. Donc, c'est bien ce que je pensais. À travers le verre, on ne voit pas le name tag. Donc le nom était pas important. Ça, je peux le virer. Avec le bon outil, ça marche mieux. Et on est plutôt pas mal. Bon, du coup, ça fait pas l'effet que je pensais, parce que je pensais mettre juste la barre, le verre autour, qui se retrouve coincé autour. Là, ça ne marche pas. Mais j'ai pas d'autre solution pour le moment, donc on va laisser ça. Peut-être que j'en remettrai là, pour la garder dans l'espèce de piscine, on va dire. Et il faudra que je teste des commandes pour essayer de virer son inventaire. Parce que l'arc et la flèche, c'est pas top. Voilà, voilà. Bon, bah c'est quand même, pour une fois, un épisode qui n'est pas un échec. Et ça, c'est plutôt cool. Ouais, est-ce que je voulais dire d'autre? Non, je crois que c'est à peu près tout. La prochaine fois, j'aurai peut-être fait un peu plus de déco en off. Hein, c'est pas spécialement utile en épisode. La prochaine fois, on fera peut-être l'entrepôt. J'ai deux, trois petites idées. On verra. Ou sinon, si j'ai avancé le bateau, on pourra commencer ça. Mais ça m'étonne. Allez, petit dodo. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de l'aventure.